Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode de Cross Out, chers amis. Donc j'ai légèrement modifié, très légèrement modifié le robot, enfin le vaisseau, pardon, le véhicule, pardon, la voiture. Je vais y arriver. Bref, de quoi faire légèrement plus de dégâts à l'avant. Vous voyez, j'ai juste replacé les trucs à l'avant pour taper un peu plus fort dans mes ennemis. On verra par la suite si ça marche ou pas. Bien joué, c'est ce que je voulais faire. J'avoue que tu m'as pris de court. Hop. Crac. Parfait. J'ai cru voir des ennemis là-bas. Un char d'assaut qui se casse la goule à droite. On va essayer de prendre la base ennemie, on verra bien si quelqu'un va venir. Hop. Salut les mecs. Ok, ça se passe en douceur apparemment. Enfin bon, là, je pense qu'on a gagné niveau capture de la base. Hein. C'est qui 007? T'es mignon en jaune comme ça, dis donc. Ok, je ne vois pas beaucoup d'ennemis. Bon, jusque-là, c'est une victoire, chers amis. Grosse victoire! Bon, bon, bon! Bah voilà! Ça, c'est bon! On a gagné donc un Navia Booster, gagné un instant impulse à 20 points. Un accélérateur de véhicule, un event launch it upwards. Ah, ça peut être intéressant ça. On a eu aussi un canon son de 16 mm. Rien que ça. Et j'ai pas eu le temps de voir la suite. Salaud. On va aller capturer la base ennemie d'exactement la même manière, sauf qu'on va passer par là. Sauf qu'attendez, il y a de l'eau partout en fait là. Ah, ça pue. Et si je passe par là, je vais me faire griller par là. Habituellement, le combat il se passe là, dans cette ligne là. Red X World. Hop, on freine légèrement. C'est juste un petit coup de frein à main, c'est rien. On va en prendre plus d'un par derrière. Ah, ils sont nombreux. C'est pas que je me fais démonter, mais... Ah bah voilà, j'ai plus d'armes. Fuite. Ah bah voilà. Voilà. Bravo. Bravo. Moi qui essaie de faire un truc discret, j'ai Red X World là qui s'amène avec deux bonhommes sur sa gueule. Sympa. C'est vraiment sympa. Mais enfin, c'est comme ça. On va mettre le truc de propulsion, chers amis, la prochaine partie. Pourquoi? Bah tout simplement parce que de la propulsion avec des armes à l'avant de choc, ça peut être sympa, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Olivia qui a juste une part violette, donc on va dire rare, si je me trompe pas. Non, épique, rare, c'est bleu. Donc ça va, tranquille. Hein. Tranquille. Avec son gros tracteur. Alors. C'est la win ou c'est pas la win? Tu ferais mieux de taper dans le gros machin qui est devant toi. Boum! Ah bah oui. Bah ça l'est pas pardonné ça aussi, non mais t'as cru. T'as cru que ça... Allez, boum!
Non? Pas boom? Moi qui m'attendais à un boom. Ça va faire tellement mal. Techniquement, ces roues devraient lui faire des dégâts, parce que tu peux rouler sur un véhicule avec ça. Bon, par contre, ce qu'il fait là est assez impressionnant. Donc. Monsieur Feral. Oula. Je crois qu'on atteint la fin d'Olivia, là. Olivia va décéder. Red X World, qui a survécu, qui a fait un kill, qui s'est servi de moi comme bouclier humain, et c'est malgré tout une défaite. Tant pis. Ok, on va aller rajouter le petit machin de boost aux fesses là pour pouvoir faire un petit peu plus de choses, si c'est possible. Limite, est-ce que je peux le rajouter genre pas gratuitement mais presque. Limite, je peux pas le rajouter directement dessus. Ça aurait été rigolo. Dommage. Ouais. D'accord. Apparemment, je peux pas le tourner comme je veux. Ouais, non. Non, ça va pas être joli sinon. Il faut quand même que ce soit joli un minimum, chers amis. Hein. Vous en doutez avec moi si c'est pas joli. Bon bah j'essaie de... oui c'est vrai, je suis déjà full niveau parts. Hop. Voilà. Et genre c'est dirigé ou pas? Parce que... Je veux dire, je vais pas me mettre à faire un... Ah bah si. Ah bah si. Qu'est-ce qu'ils disent sur la pièce? Ça peut accélérer un véhicule? Et bah ça je me doute. L'objectif étant que ça me fasse accélérer par devant quoi. Et bah voilà. Ça va faire tellement de dégâts. Ça va faire tellement de dégâts. Y avait pas un genre un truc genre qui fasse voilà, test drive. Wouhou. Waouh, quelle accélération de fou. 27. Eh ben, je suis pas allé loin. On va essayer ça de manière un peu plus classique. Ok. Ça fait pas des masses de dégâts. Boum. Et sur le côté, peut-être que ça fait plus de dégâts sur le côté. Allons voir. Marche arrière. Oula, on sent que la marche arrière, c'est pas son fort à ce véhicule-là. Ok. Taillot. Zéro dégâts. D'accord. On va réessayer. On va viser les roues cette fois-ci, pour voir. Des fois que... 64. Voilà. Donc ce qu'il nous faudrait en fait, c'est pas un truc qui fasse aux dégâts au choc, qui fasse des dégâts au contact. Voilà. Et ça se passe plutôt bien. Ok, bon à savoir. Battle, get de canon, hein. De toute façon il faut être niveau 7 pour... Niveau 7, bah d'accord, on n'est pas rendu. Pour avoir le truc, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je veux bien. Your car will be ready in the next round. Mais oui, mais le next round il devrait être commencé. Ah bah voilà. Oulala, c'est quoi l'engin agricole à gauche? C'est quoi ce machin à gauche? On a l'impression qu'il a deux gros propulseurs sur les côtés, regardez là. Genre. Bref, on va bien voir. On va bien voir. De mémoire, il me semble qu'il y a eu un deuxième jet de... d'armes, enfin de commandes, pardon, de clé bêta d'armes, je suis trop débile. Je regardais ce qu'il avait comme armement et du coup je balance des choses au pif.
Hop. On devrait pas tomber sur des ennemis genre droit devant là. Hop les. Ok. Ouille. On a un transpalette là. Hop. Aïe. Tu veux bien mourir? Voilà, merci. Ah. Meurs. Non. Oui, je sais, je devrais pas bourrer les ennemis comme ça. Mais c'est tellement plus rigolo. C'est tellement plus rigolo. Bon. Il a mis des spots, lui. Qu'est-ce que ça a fait? Mettre des spots. N'empêche qu'il est joli, son truc. Il est très très très... Il était joli. Il était très 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 joli. C'est dommage. On l'aimait bien. On l'aimait même beaucoup, mais malheureusement, il ne survivra pas. Apparemment, les ennemis étaient beaucoup trop bien armés. C'est que 3 et 5 de dégâts, la gueule. Mais je pense que nous aussi, nous avons un manque d'armement certain. Nous avons un manque d'équipement et un manque d'armement qui malheureusement nous font défaut. Pas se voiler la face, il y a Joseph qui n'est pas bien. Allez, ah bah non, défaite. J'allais dire feu, allez feu. Mais non, défaite. Bah bah bah. Est-ce qu'on a encore de l'énergie restante? À tout hasard. Information. On a un point d'énergie encore. Si je voulais mettre, imaginons... Un truc comme ça, ça prend combien d'énergie? 5 points d'énergie, putain. Ça fait mal. Si je voulais en rajouter un truc comme ça, par contre. Ça voudrait bien. Ah, mais je suis déjà au nombre maximum de pièces. Oh. Et donc, si je supprime ces deux pièces-là, normalement, j'ai deux pièces de plus. Parce que si je peux réduire encore, vu que ça stack, techniquement. Vu que ça stack. Et genre, est-ce que je pourrais pas... Hop là. Voilà. Voilà, voilà. On va bien voir. On va bien voir. On y retourne, chers amis. On y retourne. Battle. Get the cannon. Get the cannon. Et on verra bien ce que ça va donner. Oulala. Quand on voit que les deux... Que Elmer machin et Beer Carré... Parce que Elmer machin, parce que là, en fait, j'ai le... Les informations vis-à-vis de comment de Shadowplay. Mais Elmerchin et Beer Carrier qui font 4, 3 et 4 kills. Non, 0. Il y a 0 dessus. D'accord. Je croyais. Oui, parce que 3 et 4 ça fait 7 et ça fait peut-être l'équipe entière parce que. Ok. AWP KPNT. KPNT. D'accord. Si tu le dis. Si tu le dis. Hop. Cross out. C'est bon. Crac. À l'heure. C'est pas que ça commence à être long, mais... Enfin, on sait comment ça va se terminer, quoi. J'adore mon siège.
Bon, oula, ça c'est la catastrophe. Blam. Ah bah au moins t'es sûr d'être au bon endroit. T'y étais presque. Techniquement, t'y étais presque. T'aurais pu faire quelque chose de rigolo, ou il aurait pu t'arriver quelque chose de rigolo aussi, ça dépend. Je penche plutôt pour il aurait pu t'arriver quelque chose de rigolo. Ok. On va essayer de jouer en équipe. Je dis bien on va essayer, hein. C'est pas mon fort. Moi je suis un loup solitaire. A lone wolf. Bah bah bah. Ah, on a quelqu'un qui arrive au dernier moment. On va suivre... bah non, on va pas suivre Nicolas parce que tous nos copains sont partis dans l'autre direction. Jouons là bien. Hop. Adhérence. Tourne. Aïe. Oh, Rundel. Rundel qui a pris tellement cher. On va essayer de les prendre à revers. Ah, je suis pas bon. L'emplacement n'est pas bon. Ok. Ah, je l'ai raté. Olivia, tu te calmes, Olivia. Hop. Qu'il assiste. Par contre, ils sont en train de prendre notre base, donc c'est terminé. Deuxième défaite. Ok. Bon. Bah, ça fait mal. On va le reconnaître, ça fait extrêmement mal. Scrap metal, 20. Peut-être de quoi me faire une box, là, non? Storage. Non, c'est pas là, c'est dans faction. Manufacturing. Ah, je pourrais m'en faire une. Non? Non, non. Et j'ai ce qu'il faut dans le storage. D'accord. Drone d'attaque? What the fuck? Je suis toujours dans la bonne. Ah non, je suis dans les nomades. Je comprenais pas aussi, bah oui. Vilain. Pour être sympa ça. Il nous faut quoi? Du copper et du scrap metal. Intéressant. Intéressant. Ça aussi c'est intéressant. D'accord. Mais ça c'est vraiment intéressant. 6, d'accord. Faudra qu'on farme ça. D'accord, d'accord. Ok. Et là-dedans, juste pour le principe, je peux pas nous faire genre un... On peut essayer d'en faire un. On en fait un. Allez, pour le plaisir, on en fait un. Ça va être fini. Voilà. Retrieve. Ok. Si je pouvais, par exemple, aller voir dans le storage et l'ouvrir, on va voir ce qu'il y avait dedans. Ok. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ce truc. Ah, ça va vite. Pourquoi ça s'arrête déjà? Oh non! Pas un pauvre cardiaque! Oh, quelle horreur! Quelle horreur. Bon, d'accord. D'accord, d'accord. Ok, je m'en souviendrai. Je saurai m'en souvenir. Eh bien, écoutez, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Donc, pas trouver le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut, les gens. Ah, des stickers. Trophée. D'accord. Salut!